moi, tu vois, ça va être un bail à me faire des problèmes. Hein. Je vais faire de la beuh. Il y a les familles, ils y vont débarquer. Ils vont arriver à 10. Ils vont arriver à 10, je vais me faire braquer, frère. Parle avec mon grand, pour le moment, je vais te passer 10 pochons. Tu me ramènes 1000$ et le reste, c'est pour toi, c'est bon. Je passe au quartier. Vas-y, passe. Vas-y, j'arrive. Ça. Vas-y. Mais je lui ramène 1000$ maintenant, frère. Ouais, mais moi, je comptais vendre de la beuh ici. Bah, va. Bah, vous allez me niquer tous mes clients. C'est pareil, de toute façon, puisque l'argent tu vas nous rendre. Attention, pousse-toi, attention. Attention. C'est des tueurs, je sais pas. Ah, mais meilleur clair à moi. En fait, là, je te cache pas que je vois zéro client sur la plage dans tous les cas. Ah ouais. La plage est vide. Bah, voilà. T'as qu'à conquérir de nouveaux terrains. Genre je prends un renté. Genre le nord de la ville. Genre ah ouais, Vespucci bah, et tout là, ouais. Ouais, les riches là-bas. Vinou, ouais. Bah vas-y, hé. Par contre, ouais. Si jamais ça marche, après commencez pas à vouloir venir vendre vers chez moi, je vous préviens. On va ouvrir un renté, hein. Genre on monte. Tu veux de la beuh? Pourquoi j'arrive pas? J'arrive pas à la vendre. Allô? Ouais. Ouais, c'est de l'herbe de Provence ça, les gens ils en veulent pas. Ah bon? J'arrive pas à essayer de la vendre, ouais. Va à la plage, va là où il y a du monde, là c'est là où ils t'achètent le plus. Mais là je suis à Vinoud là. Mais genre, et personne t'achète. Ils veulent même pas m'écouter parler. Vas-y, bah. Retourne au quartier dans 20 minutes, je serai là. 20 minutes ? Vas-y, c'est bon. Vas-y. Tu vas activer le truc de la vente ? Deux cas. C'est pas 2K. Ah non, c'est pas 2K. Ça va ou quoi ? Ça dit quoi les man là ? On est venu vendre une voiture. On est venu vous vendre une petite voiture, on a, tu vois. Ah ouais ? Ah, oui. Vous traitez avec le gros Omar. Avec 2K. Ouais, 2K. Il nous a dit. Avec 2K. Il arrive. Il y a deux man pour toi là. Il me demande une. Pourquoi sport. Mon van à chaque fois, c'est pas moi qui le conduis, à chaque fois il est cassé, il s'est mis. Est-ce qu'il 2K? Ouais. Wesh, 2K, ça va ou quoi, frérot? Tranquille et toi? Ouais, tranquille, mon pote. Get le gamos, frère. Get le gamos. Sérieux, ça, 3000, ça, tu crois ça? 3000, arrête tes conneries. Ça, attends. Déjà, bon con. Je vais la tester déjà, c'est bon. Vas-y. Yes, tu vas voir, full custom frère. Tu l'as volé à qui? T'inquiète. Pose pas de questions. T'inquiète. La Sultan elle me dégoûte comme voiture. Ouais, tout le monde là en fait. Quoi? Comme ça, full custom et tout frère? Bien sûr, c'est 100 000. Laquelle la voiture? La Sultan RS là derrière là-bas là. Sultan RS? Noir mat. Ça coûte 50 000 full custom. Mais t'es fou quoi? Écoute, je travaille au Benz. Moi je te dis, je connais les prix. Ouais, mais elle appartenait à. Elle a 20 000. Elle appartenait à qui? À qui? Hamza. Tu vois qui c'est Hamza, ce qui fait alright, je faisais partie de tes gens affamés juste avant que je graille. Tu vois ou pas? Le petit Hamza là. Ouais, le petit là. Je te crois pas, y'a pas son siège. Il a fait. T'as vu, elle y est dans le clip HS avec SCH. Ok, mais pourquoi y'a pas ce ton siège auto? Mais parce qu'on l'a enlevé, frère, on l'a enlevé, wesh. Bah ouais, mais moi j'ai le siège auto qui prouve que c'est à lui, quoi ça se trouve, c'est pas à lui. Non, vas-y, 15K. 4500 cash maintenant. Là. Non, t'es comme ok, 5000. Mais non, wesh. Non, 15. 15, on s'en prend en dessous. Ouais, vas-y, au revoir. Vas-y, au revoir. Non, mais après, faut penser au bénéfice. Ouais, les man, y'a un petit souci là. Parce que la voiture que vous avez là, c'est un manano. Ah ouais, on l'a volé, frère. Ouais, mais moi j'ai le siège auto qui prouve que c'est à lui, quoi ça se trouve, c'est pas à lui. Non, vas-y, 15K. 4500 cash maintenant. Non, t'es comme ok, 5000. Mais non, wesh. Non, 15. 15, on s'en prend en dessous. Ouais, vas-y, au revoir. Vas-y, au revoir. Non, mais après, faut penser au bénéfice. Ouais, les man, y'a un petit souci là. Parce que la voiture que vous avez là, c'est un manano. Ah ouais, on l'a volé, frère. La voiture est chaude là, genre. Il fallait pas qu'il se la fasse voler aussi, frère. Ça va, il abuse aussi, il la laisse garer. On l'a réparé et tout. Allez, ouais. Au revoir, les mecs. Ça, c'est un mec de chez eux, tu penses? Non, il bluffe, c'était un bluff. C'est des ouf. Viens, on va essayer de la vendre aux familles.
Tu penses? Tu sais qu'on en a enlevé un hier, on lui a mis le couteau sur la gorge. Ouais, mais après on était en bon terme avec lui, non? Après c'était pas rangé un peu? Ouais, oui. Je sais plus, je crois, ouais. Après. Oh, je suis un pilote. Merci, bro. Putain, y'a deux cas, il m'envoie un message encore. Il t'a dit quoi? Là, il va nous menacer normalement si ça se passe bien. Si, parle, frère, c'est toi qui parle. Wesh, mon pote, bien quoi? Ouais, vous êtes qui? Nous, on est des mecs fiables de ouf. Ok. Nous, ouais, écoute, t'es qui? Non, vas-y, je vais t'avouer, tu vois, on est nouveau et on essaye de se faire un petit nom déjà dans la ville, tu vois, avec mon frérot Selim. Ouais. Et maintenant, en fait, le délire, tu vois, je vais pas te mentir, on a pété à cette voiture. Et devine à qui elle appartient, frérot? À qui? À des vagos. Tu vois, ouais. À des balas, pardon, des balas. Ouais, des balas. Ok. Et maintenant, nous, on va en tirer un prix, tu vois, ouais. Le délire ou pas? Ouais. Et on va la vendre. Nous, on veut la vendre, tu vois, ouais. Nous, on s'en fout, on veut la vendre. Regarde, là, il y a deux quais. Un mec voilà, des balas. Tiens, un mec des balas, c'est un vieux mec. Il veut nous la racheter 15 000. Voilà. Mais nous, on a dit quoi? Vu qu'elle est au balas, nous, on veut la vendre aux familles parce que hier, c'est des gars sûrs. Hier, on entraînait avec un mec de chez vous. Tu vas te l'acheter pour brûler leur voiture. Tu vas l'acheter pour brûler un truc. Je sais pas, pensez business, les mecs, pensez business, wesh. C'est une sultan full custom. Là, tu veux du business, là. Attends, les mecs. Toi, hier, toi. Ah, merde. Tu m'as déposé où? Reste là, Casanova. Vous savez où il m'a déposé où lui hier? Chez toi, frérot? Ouais. Il m'a déposé où? Dans le quartier des Balas et des Vagos. Non, après on t'a repris après, wesh. Je joue pas au con. Tu sais quoi, je suis gentil parce qu'après. Écoutez, vous m'avez pas laissé comme des chiens, donc en vrai, tranquille, t'as vu? Mais non, ils sont pas gentils, frère. Comme ça, je serais cool. Bah ouais, bah on est con. Tout le monde, ils sont gentils, frère. Eh ben, carré, frérot. Et juste aussi. Quand vous rentrez ici. Attendez devant si vous voulez pas vous faire caresser par les petits. Notre voiture, là. Vous êtes trop gentil, frère. C'est Casanova qui va choisir, puisque vous avez fait des trucs bizarres hier. Moi je veux pas comme ça, moi je veux être dans la merde, frère. Ça. Écoute, c'est toi t'as eu des différends avec eux, c'est toi tu décides sur leur ou pas. C'est pas dans un fait. Toi tu décides, Casanova. Toi qui décides, Casanova. C'est quoi, c'est la voiture des Balas là? Ouais. Vas-y, rendez-leur leur merde qui est, ça reste pas ici. Vas-y, je le rebête. Non, moi je veux la vendre. Moi je veux la vendre. La vendre. Écoute, tu t'appelles comment, frérot? Écoute, est-ce que j'ai une tête de concessionnaire? Bon, c'est quoi? Je vais refaire les lacets de mes chaussures. Céline. Ah non. En plus, tu veux me baiser? Ah. Non, c'est pas sympa. Tu vois, on avait mis la balle au milieu, en plus, non, c'est pas ce que tu crois, wesh. Va contre le mur, frère. Non, la dernière fois, je vais chez les familles, frère. Snake. Frère, on est mal accueillis, c'est terrible, wesh. Merde, non. Moi j'aime bien la danse, je suis amateur de danse. Ouais, ouais, mais ça, votre problème, vous aimez trop voir les gens danser. Et en caleçon. Je vois, Attends, écoute, ok, ça marche. Vas-y, viens, attends. Je peux rentrer me changer là-bas? Je me change, je te fais la merde dans ce que t'as jamais fait. Vas-y, viens avec moi. J'espère pour toi, ton père. T'as des talents de danseur, t'inquiète pas. Vas-y, viens. Attends, laisse-moi me changer tout seul, y'en a un qui me surveille, pas deux, wesh. Ouais, mais vas-y, reste derrière la porte et écoute. Ouais, reste derrière la porte, s'il te plaît. Putain, c'est trop, frère, gros, c'est mon moment d'intimité, quand même. Ouais, vas-y. Tu sais quoi, je reste, vas-y. Ah, tu bouges plus. Tu bouges plus. Attention. Eh ouais, les mecs, eh ouais. Tu crois que je suis votre pute? Je suis votre pute, moi. Snake, viens. Attends, je ferme l'affaire. Tu veux un conseil, Céline? Tu t'approches, le but. Vas-y, approche-toi, tu vas voir. Quoi? Tu me lâches, tu reprends ta voiture, tu bouges et on en reste là. Dis-leur qu'il me ramène une moto là, maintenant. Vas-y. Deux motos. Ah, je suis une seule, frérot, t'as cru. Dépêche-toi. Eh, c'est toi l'otage là. Moi je suis pas votre pute, moi. On est venu juste vendre une voiture. Une voiture, frère, vous êtes là, vous voulez me faire danser en slip? Une moto, les mecs. Il veut une moto. Donne-leur. Ton pote là, et on l'a relâché, recule, ramène une moto et arrête. Mais vous comprenez pas quoi quand je vous dis arrêtez d'avancer? Vous voulez que je le bute maintenant là, en fait, ou quoi? Arrêtez d'avancer et toi range ton arme, toi.
à gauche là, à ma droite, à ma gauche, à ta droite. Écoute, écoute. Tu bagailles trop. Nique ta mère. Range ton arme. Écoute-moi, s'il te plaît, écoute. La moto, ramène la moto. Dans, regarde, je compte jusqu'à 20. Sur la tête de ma mère, je vais lui mettre une balle dans la tête. C'est bon, on va. Je suis en train de négocier, écoute-moi. Écoute-moi. 2. Les mecs, derrière la moto, 3. Il va te la chercher. La voiture, tant que vous n'avez pas rangé vos armes. Ouais, les mecs, rangez, on va voir. Rangez, wesh. Quoi, je vais l'attraper, il va cuisiner chez moi, j'en ai rien à foutre. Range, voilà. On est pas en position de force. C'est terrible, frère. Vas-y, roule, frère. C'est bon, allez, on se casse. Vas-y, roule. Ah ouais, je roule, mon bref. Non, on vient juste pour conduire une voiture de base. Tain, voilà, ça rafale. Eh, la tête d'homme, eux, hein. Et ouais, pourquoi avec les balasses ça se passe bien, y'a rien, et là ça rafale. On est venu vendre une voiture. On aurait peut-être pas essayé de leur voler leur moto aussi, non? Ouais, aussi. Ouais, mais vas-y, frère. Ouais, mais... Mettez-vous en caleçon, dansez. Ouais, non, ça j'aime pas moi ça, frère. Mettez-vous en caleçon, dansez. On va les dire comme ça, moi, frère. Moi je danse pas, frère, hein, t'es fou, hein. Je suis très sérieux. Attends, je vais appeler Frédéric, on va revenir avec de l'Ast Rocket. Tu vas voir. Arrête tes conneries. Viens, on va la rendre. Viens, on va la rendre aux balasses, comme ça on s'entend bien avec eux, ils nous protègent si jamais il y a Haja. Vas-y. Les balasses, ils ont l'air plus tranquilles. Après, les vagos, je sais pas ce qu'ils veulent. Family, c'est des hagars. Non, franchement, les vagos, ça va, j'ai parlé avec eux tout à l'heure. Ils ont l'air ils ont l'air normal, ouais. Ils ont pas hagar. Non, je leur ai dit, ouais, je voudrais acheter de la coque et tout. Ils m'ont dit, ok, combien? J'ai dit 10, ils m'ont donné, transaction. Tu vois, bon. Ah ouais? Bon vendeur, ouais. Vas-y, attends, j'appelle Doka. Tu sais pas, ça rapporte combien de bijouterie? Dis-lui 4000. Oh, Doka! Vas-y, on l'a fait partir pour 4000, c'est bon. On est dans ton quartier. Ouais. Le 5000, non? Non, 5000, frérot, là. Non, ça. Deux cas. Regarde. Maintenant, le délire, c'est quoi? Nous, maintenant, on est revenu vers vous pour un petit peu plus, mais au moins, tu vois, c'est hell, tu vois. C'est un bon délire, non? Les bijouteries, ça rapporte combien? Beaucoup, bah, hein, si tu si t'en prends beaucoup, ça rapporte beaucoup. Genre combien? Bijouterie, entre 60 et 80 000! Quoi? Vas-y, viens, on y va, mon cher. Bah ouais, frérot. Vas-y. Attends, tu vois, ça tu vas te faire péter bêtement. Ouais, pas me faire péter. Prends une équipe. Non, regarde, on y va, Bachir et moi, tu vas voir comment on fait. Je te montrerai. Attends, mais du coup, laisse-moi dans la voiture. Non, je la prends. Quand je reviens avec, frère. Attends, mais tu sais quoi, je la loue. Vas-y, tu me la loues. C'est quoi, c'est bon? Vas-y, paye-moi. Vas-y, c'est bon, vas-y, beau gosse. Tu sais qu'il m'a passé 4500 pour la voiture là? Ok, il nous faut un otage. Hey, frérot. Quoi? La tête d'homme, au début, il m'a donné 4000. J'ai négocié avec lui, j'ai pris une toute petite voix. Il m'a dit, bon, vas-y, tiens. Et en plus, on la reprend derrière. Mais ils sont le problème aux gangsters, c'est qu'ils sont trop gentils, frère. Voilà les balades. C'est espagnol? Ouais. Ok. Enfin, espagnol, c'est un grand mot. Juste latino. Ça se voit pas, je sais. Ça s'entend un petit peu, mais ça se voit pas. Doucement. Ne fais pas ça pendant la course. Ah, jamais. R aux autres dans les positions, on commence. On va commencer dans même pas une minute au chrono. Comment ça vous préparez? C'est clair. Vérifiez l'essence, vérifiez pour votre bouffe. Et ça devrait être bon. Dans grand maximum 15 minutes, on est à vous. D'accord. Je crois que Nacho, il sait pas la destination qu'il doit prendre. T'inquiète pas. C'est bon. Allez. Place et on peut changer de conducteur, là, c'est pas un problème. Changer de conducteur, c'est pas un problème. On va commencer les gars. S, tu te charges du braquage. Faites attention à vous. Allez, on se dépêche, allez. Allez la chica au fond. Bon mot de chica. J, tu te charges de la chica. S, tu te charges de la perceuse. Moi je me charge de surveiller. Personne bouge à l'intérieur, bougez pas. Allez. C'est quoi,
Il m'a dit quoi? T'as la perceuse? Essaye. Vous avez entendu les gars? On a commencé. À partir de maintenant, vous nous appelez tous par les premières lettres de nos prénoms. Les beltas del pueblo para la igualdad. Si, claro, el pays. Ok. Ok, je retiens votre revendication. On le revendique. J'aime trop la violence, cabron. Ok, ok. Bon, pour ça que je te disais qu'il nous fallait d'autres unités. Tu crois pas beaucoup malin? Il y a un quatrième là que tu es en train de la sauver. T'es pas un assaut débile. T'expliquais. Moi, à ta place, je forcerais bien au ma hiérarchie. Qui serait préférable. Non, exact, tranquille, garde tes sous. Ça fait combien de temps que t'es en ville? Ça fait longtemps, hein. Plus d'un mois, je crois. Pas mal. Pourquoi? Comme ça, je me pose une question. Et toi? Un jour. Combien? Pourquoi vous faites tout ça? Pour la revendication pour le moment. Pour vous dire qu'on est là. Il y aura d'autres suites qui vont arriver. D'autres choses, d'autres projets. Pour l'instant, c'est juste que pour que vous, déjà, vous ayez les trois lettres LPI en tête. LPI, non mais ça j'ai en tête. Ça, retenez-le LPI. Bien. Mm-hmm. Okay. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Bien faire entre parler de nous. Alors, ouais. Ils arrivent tes renforts? Y a une dame qui arrive supplémentaire, ouais. Voilà. C'est quoi ça, une dame? Ah, c'est sympa ça. Voilà. Bon. On va continuer dans notre plan. Dites-vous simplement qu'on va la libérer. Oui. Et voilà, c'est l'indice que je peux vous donner pour qu'on soit super bien avec vous. Pensez juste aux rails de train. Aux rails de train? Ouais. Suivez-nous bien. Préparez-vous. Okay. On va décoller dans 3 minutes. Ça marche. Adieu à tout le monde, on décolle dans 3 minutes. Paradios, paradios. C'est beau pour toi? Non. Lalo, c'est beau la vessie. Bon. Allez, on y va. Bon, tu vas commencer à piloter. Commence à prendre en otage celle-là. On va y aller. Voilà. Monte. Doucement, commence pas à monter. Attends. Ramène-nous l'autre. C'est bon. Je monte. Ok, super. 3, 2, 1. Allez, on y va. On monte. Allez, dépêchez-vous. Allez, mais commence le GPS. À piloter. Pas de votre GPS. T'es GPS. L'autre va la petite salope à la barre, ça va. Tranquille, roule. Air à tout le monde, on va commencer à rouler. La jette là, à droite, hein. Ok. À toi. Allez, jette là. Maintenant, fin des tours. Prends la route derrière toi, la route derrière toi. Allez. Voilà, parfait. Continue. Pas besoin de tu fais ça. Il va être perdu. Continue. Mais pour lui. Pour mon cerveau, continue tout droit, t'en fais pas. Fais te diriger. T'es pas indiqué sur le GPS le chemin que je vais te donner. Continue tout droit. Et t'arrête pas, prends aucun chemin. Erre à tout le monde, on va pas tarder à arriver. Ok. Allez, vas-y. Doucement. Continue. Toujours tout droit. Allez, on nous suit. Prends le petit panton là pour le chemin de rail. Commence à le prendre. Où ça? Là, à droite. Là. Monte la petite montagne, la toute petite montagne là où il y a le chemin. Allez, vas-y. Doucement. Ouais, monte là. Monte. Ouais, c'est cycle là. Tourne à gauche. Tout droit. Ouais. Super. Pas trop une voiture pour ici, hein. Attends, allez un peu. Doucement, doucement, doucement. Te percute surtout pas. C'est eux qui vont percuter. Roule un peu plus vite. Allez, roule. Super. RAE, on va pas tarder là. Hitler, on me tient en position.
doucement. Si tu sens qu'ils vont te pointer, tu les pointes aussi. On arrive, dans même pas 30 secondes, on va commencer à sauter. Un véhicule en moins de niveau et l'SPD. Il y en a toujours un qui est derrière nous. Allez, un véhicule en moins, les gars, continue. On se met tous du même côté, hein. Tous du même côté. On va sauter un par un avant qu'il nous tasse. Dépêche-toi. Continue. Commence à stopper. Doucement, les gars. Doucement. Allez, commencez, dépêchez-vous. Gars, j'ai pas plongé, sa grand-mère la pute. Je vous ai vu sauter. Je pense que vos radios doivent grésiller un peu, mais bon, je vous ai vu. Je vais mourir. Ok, une personne. Et claro, une personne. Venga, qui sont les autres? Je me suis fait mal. Une autre personne. C'est un boyos, lui. C'est un boyos qui a sauté. Ça se passe comment? Il y a un boyos, je crois, qui a sauté. Il y a une personne à droite, là, non? Ouais, c'est un boyos. Viens, je le fouille, je le dépouille. Cabron. On n'a pas de... Il y a un boyos à droite. On se barre, non? S. Radio. Oh, ah, ça. Merci, Elias, mon ref. Gros has, espèce d'insecticide. Oh, refait. Il est à droite, vas-y, il est braque. Braque le, benga. Ah, tu veux jouer avec moi, cabrón? Perds pas de temps. Fais pas le con, s'il te plaît. Putain, madre. Hey, il faut pas lâcher, il est sur son dos. Lâcher, hein. Ah, cabrón. On est obligé de se barrer, Hermano. T'as pas une arme? Il n'y a pas d'arme, personne m'a donné l'arme. Il est sur son dos, il fait des manières. Ouais, j'ai compris. Comment tu sors le gun alors qu'il est sur toi? J'ai compris, tranquillement. En plus, il est en train de te braquer avec le Beretta, non? C'était un taser. Non, un taser. Je lui mets pression. Ah frère, il a sur lui, c'était comme s'il y avait personne. Mais bon, vas-y frère. Une personne s'est fait embarquer par la guardia, il voulait pas nous l'endre. Tranquille, je comprends pas. Non, même pas la plata. Faut récupérer les filles. C'est le patron, et nous on croit pas trop. À la chicha sous ballon, tu te parles, tu racontes que des filles.